les enfants atteints de cette maladie-là, ce qui joue contre nous, c'est le temps. Et on le sait que parce qu'au Canada, il n'y a pas de cadre spécial pour l'approbation des traitements de maladies rares, lorsque ces traitements-là vont être disponibles, ben, les enfants ne pourront pas l'avoir tout de suite. C'est ça qu'il faut changer.